J'adore. Qu'est-ce que c'est bien. Qu'est-ce que c'est bien. Alors, 26 légumes sont déjà venus dans Taratata, on en parlera tout à l'heure. Est-ce que c'est une vraie platine avec un vrai vinyle avec un vrai son, Vincile? C'est une vraie platine avec un vinyle qui permet de contrôler une banque de sons qui est à l'intérieur de notre ordinateur. Voilà. Ok, si je mets ça sur mon tourne-disque à la maison, mon manche-disque, ça marche pas? Ça marche, mais ça fait un bip. Voilà. Ouais, ouais. C'est ce que j'écoute régulièrement. Alors, est-ce que... Donc, on peut avoir un exemple. Grim, par exemple, t'as quoi sur ton disque, toi? Moi, j'ai une guitare. Une guitare qui a été jouée par un vrai mec ou qui a été samplée? Bah, qui a été joué par Arnaud Fradin, qui est un bluesman qui tue de Nantes. Ah, tu balances les noms comme ça, toi, t'as pas peur, quoi. D'accord, il a été payé, j'espère. Vas-y. C'est quoi le son? Allez. Vas-y. Yeah, only should go. D'accord. On va... Non, je vais pas faire le morceau tout seul. C'est juste pour comprendre. Donc, ce sont des ordinateurs qui ont des sons, qui ont des fichiers numériques et qui se repèrent par le disque. C'est ça, hein, Vincile? Ça reste quand même un signal analogique qui est envoyé à l'ordinateur. Voilà. Et je rappelle que dans analogique, il y a logique. Qu'est-ce qu'il y a sur ta platine? Un harmonica. Le fameux, joué par un vrai mec ou samplé? Voilà, qui s'appelle Kevin Doublé, voilà. De Nantes? Exactement. Ah oui, il n'y a que des mecs de Nantes, d'accord. BitTorrent maintenant, le côté BitTorrent. Ils sont restés en fait, chacun dans son coin, c'est ça qui est bien, ouais. Donc, Fell d'un côté, fait du bruit. Atom de l'autre, fait du bruit. Qu'est-ce que t'as, Fell, toi? Moi, j'ai une suite d'accords de synthé qui se compose comme ça. Ok, ça c'est synthé, appuyé. Clavier, c'est un vrai clavier ou c'est un son qui a été pris dans un ordinateur qu'il avait déjà? Honnêtement. C'est un truc qu'on a joué nous-mêmes, ouais, c'est un ensemble. Honnêtement. Honnêtement. Je pose la question honnêtement. On l'a joué honnêtement. Ok, vous l'avez joué honnêtement. Mais tu joues d'instrument? Ouais. Ok, voilà, d'accord, ouais, d'accord. Honnêtement. Thomas, qu'est-ce que tu as, toi, sur ta platine? Moi, j'ai une voix. Ah oui, le « Hey, Rolling Sugar », c'est ça? Voilà, « Down the road I go ». Ah, vas-y, « Down the road I go ». Hey, on s'amuse comme on veut. Alors, est-ce qu'on peut imaginer la voix et l'harmonica, par exemple? On peut jouer, on peut faire ce qu'on veut, en fait, avec les pistes, c'est ça? On peut recréer un morceau. Allez, voix et harmonica, qu'est-ce qu'on fait? On peut rajouter la guitare de Fell? De Grim, alors, c'est, oui, la guitare, c'est Grim, pardon, c'est Grim. Alors, vas-y, continue, l'harmonica. Non, mais t'arrêtes pas. Putain, je suis en train de créer un morceau. La guitare. Continuez. Pourquoi tu t'arrêtes? Alors, je crée un morceau. Les claviers. Ça peut devenir un tube, ça. Ah non, on va pas lâcher comme ça. Puisque ça, j'imagine que vous pouvez jouer tous les morceaux qui sont sur l'album. Arcade, par exemple, j'adore ce morceau parce qu'il y a carrément un clavecin. On a l'impression de se retrouver dans une musique de Marie-Antoinette. Qui a le clavecin, par exemple? Tu l'as? Vas-y, Vinci. Me dis pas que t'as trouvé un mec vivant qui joue du clavecin. On a des bons ordinateurs aujourd'hui. Ah voilà, le seul honnête des quatre, il est là. Vas-y, le clavecin, ça fait quoi? Ah tiens, pendant qu'on y est, je sais pas, GG, si on peut le voir, ça c'est le fameux potard qui va d'une platine à l'autre ou qui met le son, le fameux cross-fader qui va d'une platine à l'autre, d'où le nom C2C, c'est ça, c'est ce fameux potard, l'autocross, c'est ça? Alors le nom du groupe vient de coup de cross, ouais. Et voilà, c'est le cross-fader. Voilà, c'est ça, le C2C, le coup de cross est là. Alors, qui a le clavecin aussi? Moi, toi, vas-y, Fell. Ah, ceci n'est pas la même tonalité, c'est un fa mineur. Tout à fait, je vois que tu t'y connais aussi. Absolument pas, j'ai dit n'importe quoi. Et la voix de la fille qui chante sur Arcade, c'est une vraie fille, comment elle s'appelle? Elle est nantaise, elle aussi? Ouais, c'est une nantaise, on taira son nom, hein, cette fois.
Ah, elle n'a pas été rémunérée, elle, ok? C'est moche le travail au noir, hein? Elle a quel âge? Hmm? D'accord. Qui a la fille aussi? Tu l'as, Tom? Vas-y. J'adore. Ah ouais, Arcade. Alors, ça, une petite impro sur Arcade, quand vous voulez, allez-y. Faites du bruit pour C2C!